Écoute, Sébastien, aujourd'hui, j'ai découvert ce petit produit-là. Yes. C'est une merveille. Ça a fait notre pêche Ben, en aujourd'hui, là. réalité, ouais. Puis ça fait ma pêche depuis 2 ans. C'est les Ice Jiggers, c'est la compagnie GNTech qui fait ça. C'est deux gars finalement de la région de Québec qui ont fabriqué ces machines-là. Comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. En réalité, on a une vitesse ici là, qui fait que le réglage du monte descend, en réalité, la rapidité. Puis ici, on a l'amplitude. Plus qu'on va y donner finalement l'amplitude la plus haute, puis plus qu'on peut la réduire aussi. Fait que, tu sais, le jig est plus serré. Ouais. Sinon, quand il donne l'amplitude, ben là, c'est plus. Fait que c'est toujours de fonctionner avec le comportement du poisson. Ce qui est vraiment intéressant, là, André, là, c'est vraiment que quand on a le système de balancier qui descend jusqu'au fond, on a vraiment la lumière puis le système sonore qui s'enclenche. Fait que ça, là, c'est vraiment le fun. Comme ce matin, quand on a commencé, il faisait noir. Il faisait noir. Fait que quand la canne vraiment elle tombe. Tu l'entends, mais là, je veux savoir laquelle. On voit vraiment la lumière aussi. Ouais. Là. Fait que ça, c'est vraiment des super machines. Puis pour le doré, c'est merveilleux. Surtout depuis qu'on a les Minimars. C'est ça, en réalité, ça, c'est vraiment ça. Ça m'a convaincu ce matin. Moi, j'avais deux George Hacker. J'ai pris du poisson aussi, mais ça, c'est quelque chose. C'est vraiment une belle machine, là. Puis, tu sais, les gens, ils vont peut-être apprendre à la découvrir, là. Puis, c'est ça, c'est un investissement, mais vous allez prendre du poisson avec ça, c'est sûr. Puis, tu sais, ça se démonte, là. T'as le boîtier. C'est ça, fait qu'on. T'as le trépied qui se défait complètement. C'est ça. Puis, télescopique. Fait que ça devient tout compact, cette affaire-là. On est capable de mettre ça, là. Comme tu dis, j'en ai cinq. Ouais. Je mets ça dans un petit sac, là. Ben standard, là. Je rentre mes 5, je mets ça dans mon traîneau, puis on pourrait... La durée pour la batterie qui... Ben, je te dirais, comme des journées comme aujourd'hui, on pourrait faire facilement 2-3 jours, là, okay. Sans problème, puis des sorties de 8-10 heures, aucun problème, parce que... Batterie rechargeable? C'est ça, fait qu'on branche ça, là, port USB, ordinateur, peu importe, là, ça se branche super bien. Ça vient vraiment avec le fil pour le connecter, avec la batterie, puis c'est... C'est des batteries 9 volts qui sont dedans. Merci, Sébastien. Ben écoute, ça fait plaisir.